JCPMY et Story Circus présentent. Handicap masqué en entreprise. Une partie des personnels en situation de handicap tait sa situation par crainte d'un étiquetage négatif et d'un ralentissement de son évolution de carrière. 49% d'entre eux ne mentionnent pas leur handicap auprès de leur employeur. Dans une agence de communication, deux créatifs cogitent pour une web-série sur le handicap et la diversité. J'en crois pas mes yeux, le brief, au bal masqué. Tu vois, les handicapés qui se déclarent pas au travail, ça c'est le handicap masqué. Oh ohé. Pardon ? Non mais au bal, handicap masqué, ohé, ohé. Tu connais pas ? Non. Non mais moi non plus je connais deux comme ça quoi. Non, je connais pas. C'est pas grave. Bon, si je te dis masqué, tu penses à quoi ? Zorro. Exact, pareil. Le mec, on sait jamais qui c'est. Ouais, sauf que Zorro, il est pas handicapé. Non. Mais l'autre, ouais, Bernardo, il est sourd. Ah, du coup, on pourrait faire une série dérivée de Zorro. Avec Bernardo en héros, masqué, il pique le masque de Zorro. Il devient le symbole des handicapés masqués. Et il a une épée. Par contre, son nom, il le signe d'un B qui veut dire Bernardo. Et alors ça, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas simple. Hein, ils font un B dans l'air avec leur stylo. Le B à la pointe de l'épée, c'est... Ouais, moi, je pense qu'on tient un truc quand même. Ouais, on tient un truc, mais il faut le bosser. Ouais. Jean-Mi dessine des B dans l'air. Une série de Jérôme Adam et Guillaume Dufay, réalisée par Henri Poulain, avec Cyril Delastéry et Romain Cotard. www.jencroispasmesyeux.com, audio description Marc Viguetti pour l'association Valentin AUI.